Alors, la tolérance chez Jean Kélévitch, c'est une des vertus les plus intéressantes, à mon sens, parce que il donne au départ une définition minimale de la tolérance comme l'absence de violence infligée à autrui. C'est-à-dire qu'au départ, dans sa version minimale, la tolérance, c'est une incompréhension fondamentale de l'autre qui nous permet de vivre ensemble, mais qui évidemment n'est absolument pas suffisante. Et dans un deuxième moment, en fait, il va justifier de manière sociale, politique et même métaphysique la nécessité de la tolérance. C'est-à-dire que la tolérance, c'est certes une vertu dont on a besoin pour coexister pacifiquement ensemble, mais c'est en fait plus que ça. C'est pour lui, non pas simplement respecter les opinions des autres, ce qu'il va appeler les mimiques et les travers des autres, ça va être en fait respecter ce qu'il appelle la vérité fondamentale de l'autre. Donc ça va atteindre quelque chose de beaucoup plus fondamental que les simples croyances, que les simples opinions. Donc c'est en fait quelque chose de très important, qui est le fait de respecter en fait l'opacité d'autrui, le fait que sa vérité ne m'apparaît pas de manière transparente. Et donc c'est pour ça que ça a une valeur très intéressante, à mon sens, chez lui, la tolérance.